Oh no no no, your hair looking nice like oh no no no. Girl, you can't... C'est pas, y a pas assez de tissu en fait. Y a pas assez de tissu. Appointment scheduled for 3. Oh, oh, in the morning. You know my... Hello Beauty Squad. J'espère que vous allez tous et toutes très 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 bien. Alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo spéciale haul. Alors ça va être un haul de maillot de bain. Je sais qu'on est à la moitié du mois d'août bientôt et que les vacances c'est, on est en plein dedans. Donc voilà pourquoi je vous fais le haul spécial maillot de bain pour l'été. Ça va être avec le site Zafool. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est un site internet comme plein d'autres sites qui vend beaucoup de choses, entre autres des maillots de bain. Donc voilà, j'ai une petite sélection ici de maillots de bain que je vais vous montrer. Je vais pas les porter sur moi, mais j'ai un mannequin qui va les porter pour vous. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Tu connais déjà ton rôle sur YouTube, tu sais pourquoi t'es là, tu sais ce que tu dois faire. Donc voilà, ça sert même plus à rien que je dise en fait, tu connais ton rôle. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo, on va commencer. Alors le premier maillot de bain que je voulais vous montrer, déjà je voulais vous dire que les maillots de bain viennent dans une pochette comme celle-ci. Donc c'est bien puisque vous pouvez remettre vos maillots de bain ensuite à l'intérieur, ça aide pour les stocker. Ça c'est super cool, franchement c'est vraiment une très 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 bonne idée. C'est un maillot de bain comme celui-ci avec le dessin tropical et tout. Devant c'est croisé. Et derrière aussi c'est croisé. Les bretelles sont croisées elles aussi à l'arrière. Donc voilà, je trouve que il est super beau. Je vous montre le bas aussi. C'est une culotte haute. Derrière c'est un petit peu croisé. Et devant c'est comme ça. Donc ça c'est cool parce que c'est une taille haute. Donc on voit pas trop trop ton corps avec ça. Ça c'est plutôt nice. Oh no no no, your hair looking nice like oh no no no. Got you causing traffic, oh no no no. Swinging your waist like oh no no no. You're looking like magic, oh no no no. Your hair looking nice like oh no no no. Got you causing traffic, oh no no no. Swinging your waist like oh no no no. You're looking like magic. Deuxième maillot de bain, alors c'est un une pièce. Il est rouge bordeaux, mais c'est pas exactement la même couleur que sur l'écran. La couleur en vrai est beaucoup plus jolie. Il y a des lacets devant. Là on peut lacer, donc vous pouvez resserrer par rapport à votre poitrine. La matière c'est comme côtelé comme ça. Le troisième c'est ce maillot de bain. Il est super beau, mais c'est quelque chose que malheureusement je vais pas pouvoir porter parce que c'est trop petit en fait. On voit trop les seins, genre c'est trop petit pour moi. Et mais le modèle est vraiment très joli. Donc ça c'est le haut. Et en fait le bas il est comme ça. Il y en a un noir, un blanc comme ça et un jaune moutarde. Et le jaune moutarde c'est celui-ci. Donc la couleur est super belle. C'est dommage vraiment que ce soit pas adapté à ce que je pourrais porter, mais la couleur est super super jolie. Et en fait j'ai déjà essayé celui-là, le haut et le bas, et la culotte bizarrement elle me va super bien, alors que comme ça on dirait que c'est super vulgaire. Il n'y a pas assez de tissu en fait. Il n'y a pas assez de tissu. Are you there? Baby are you there? Baby I've been calling. You don't wanna answer me. All day I've been calling. Ensuite, il y a ce une pièce. Alors, c'est comme un deux pièces en fait, mais en une pièce. Donc là, il y a des élastiques. L'élastique en fait, il va jusqu'en bas. Donc, il va jusqu'à là. Et vous pouvez donc resserrer ici pour qu'on voit pas du tout votre peau à ce niveau. Et on verra là, votre peau au niveau du ventre. Ah oui. Et ça en fait, c'est des bretelles que vous pouvez enlever en fait. Donc ça aussi, c'est un point en plus parce que vous pouvez le porter comme ça ou avec la bretelle. What is this magic? I need that magic. Everywhere you go is the main attraction. Your yacht shows a house to be a mansion. When you're on the road, this is a distraction. All the things you wear are the latest fashion. See your yacht so big, wonder how you function. Hips to your waist is out of proportion. Trip down your back. Alors ça, c'est une robe de plage. Donc c'est ce que vous mettez quand vous sortez de l'eau par exemple, ou quand vous allez à la piscine ou à la plage. C'est une sorte de robe en fait d'eau nue. C'est super beau. Donc c'est une robe de... Oh je me vois déjà tu sais à la plage pour les photos et tout. Tu fais des photos comme ça. Il est super beau le petit haut là. Et c'est un gris pailleté en fait. Je sais pas si vous voyez mais c'est gris pailleté. J'aime vraiment beaucoup. If you love my...
Oh Diana, cool your temper. Oh my sister, my designer. Oh Rihanna, voice don't hammer. No capita. Ensuite, il y a ce maillot aussi qui est très très mignon. Il y a des petites. Comment on appelle ça? Des petits. Je sais pas comment on dit. Mais bref, t'as compris le truc là en dessous là. Ça fait des fleurs, comme des fleurs genre. Et voilà le bas. Et ça, c'est des tailles XL hein, tout ça presque. Hein. Ensuite, j'ai pris ce maillot en bleu roi. C'est un maillot genre en velours et là il y a une petite étoile de mer. Il est super beau aussi. Mais par contre, voilà quoi, je doute par rapport à la taille. Je doute beaucoup beaucoup par rapport à la taille. Et à l'intérieur en fait il y a une sorte de mousse pour les seins et vous pouvez la retirer là. Et le bas, voilà le bas, ouais c'est petit quoi, c'est voilà quoi, c'est... Mais c'est beau. Hold me down like a shot skit. Do you hold me down? Hold me down like a shot skit. Hold me down. Hold me down like a shot skit. Do you hold me down? Hold me down. Je pense que tous les maillots qui me vont vraiment pas, je vais les donner pour un giveaway, un concours. Faudra que j'organise ça. Ensuite, il y a ce petit ensemble. Là, donc en fait c'est un truc que tu mets comme ça devant. Enfin, ça c'est derrière. Et en fait devant tu l'attaches avec les deux côtés là. Et tu fais un nœud devant. Franchement ça, j'aime trop, genre les citrons, les couleurs elles sont grave belles. Et voilà le short. Le short par contre je doute fort qu'il va m'aller. Celui-là, donc c'est un haut comme ça, c'est super. Donc c'est un haut comme ça en fait, et il y a une culotte aussi. Et la culotte, par contre, je pense qu'elle va être un peu courte. Et le haut, franchement, j'aime trop. Même tu sais, si tu le portes pas en maillot de bain, tu le portes en haut normal. Franchement, j'aime beaucoup. Yo, Afro, you know, we gotta pepper some love and affection on the galem this year. It's only right. Boom, girl, you give me drama. Cause you be my summer. Hot, hot, hot. See, I can be your lover. Après, il y a ce maillot là, avec les petits trucs là, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est sur le devant. Et derrière, en fait, t'attaches, tu fais un lacet, en gros, tu fais un nœud en fait. Mais encore une fois, la taille quoi. La taille. C'est du L. Et voilà quoi, la taille, ça le fait pas du tout. Et voilà la culotte. La culotte, elle est toute mignonne. Je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré un soutien-gorge qui était exactement le même que celui-là, où on attachait derrière. Et en fait, l'autre, c'était une taille L, et c'était un rose plus clair. Et celui-là, c'est la même chose, en taille L aussi, mais une couleur différente. Il est beaucoup plus grand, genre celui-là, ça peut m'aller. Mais l'autre, c'était sûr que ça m'allait pas. Donc je pense qu'il faut que vous fassiez vraiment attention en fonction des modèles. Donc là, pour le coup, c'est bizarre que ce soit le même modèle, juste une différente couleur et une taille différente. Et voyons voir le bas. Même le bas quoi, même le bas il est plus grand. Ça se voit que là c'est au moins du L. Baby all you make we do. Alright, that's not me and you. Baby one plus one now you. Only when you jump at you. Simple. You're the only one when they make me simple. One nail. Now. Il y a ce maillot de bain qui est une pièce aussi et il est rouge. Alors celui-là c'est le basique. Je pense que le basique des maillots une pièce, c'est juste qu'il y a le Baywatch dessus écrit. Mais c'est une pièce basique, tu sais les trucs de mémé qu'à l'ancienne on voulait jamais porter. Bah ça c'est à la mode en ce moment. Le dos est un peu dénudé mais ça va pas trop. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je suis super contente de tous ces maillots de bain. Franchement ils sont super beaux et j'ai vraiment hâte de pouvoir les porter à la piscine etc. Bien sûr avec un petit truc pour couvrir.
découvrir le corps. Il y en a certains qui sont voilà très osés. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé aussi. Dites-moi lequel vous avez préféré en commentaire. Si vous préférez les maillots de bain une pièce ou les maillots de bain deux pièces. Moi je pense que pour l'instant je préfère les maillots de bain une pièce. Et bizarrement c'était même plus à la mode, mais là ça revient à la mode et ils font des super beaux modèles. C'est plus des modèles genre de mamie vraiment genre basique. Et ils font des super beaux modèles comme vous avez pu le voir. Donc voilà. Je vous invite encore une fois à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais je crois que tu t'es déjà abonné parce que toi t'es un vrai et tu fais partie du squad. Donc voilà. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bye le Beauty Squad. Mouah. Yeah.